Jesus first, all the second, and yourself last. This is our vision of life. Amen. Bien-aimés, à toi maintenant de parler. Oh, il nous écoute. Il est papa pour nous. Il est papa pour nous. Il nous écoute. Oui. À toi maintenant. Je lèverai ma voix. Oui. Pour t'adorer. Car tu es saint, saint. Il est le saint. Car tu le es saint. Saint, saint. Si tu le crois, confesse-le. Que Jésus est le saint de saints. Nous chantons saint, saint. Le saint de ma vie. Saint, le saint de cette église. Le saint de ses serviteurs. Jésus est le saint de saints. Saint Matthieu. La sainteté est son nom. La sainteté est son nom. Oui. Celui qui nous a purifiés par son sang. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Il est assis sur son trône. Je l'adorerai. Oui. Celui qui a déversé son sang. Sur le sang de Jésus a la puissance d'effacer les péchés. À combien plus forte raison ce matin la maladie. À toi la gloire. Merci Seigneur Jésus. Oh, donne-lui une offrande des acclamations. Une offrande qui vient au fond de ton cœur. Que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu véritable et bien-aimé. Si tu reconnais, il peut tout. Bien-aimé, tu acclameras encore plus fort. Oh Jésus. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous appelons. Alléluia. Amen. Vous êtes content ce jour, je suppose. Amen. Bon, ce matin, nous avons déjà eu une première parole. Natongo Tosito Banda qui était à Liboso. Sur la prière du juste qui a une grande efficacité. Libondeli ya moyenge beni o ezana makasi mingi koleka. Et je vous ai expliqué que le juste na lobela ki penda ba yenge beni, c'est une personne qui a cru en Jésus. Ezali moto oyo andimela Yesu Christo. Et ceux qui croient en Jésus sont déclarés justes par Dieu. Ba oyo bandimela Yesu Christo nzambe ya tato la bango. Donc nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes déclarés justes par Dieu lui-même. Et nos prières sont reçues 5 sur 5 par Dieu. Et ça c'est merveilleux. Et je vous ai dit que si nous avons cette compréhension, nous pouvons expérimenter de grands miracles de la part de Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et maintenant, nous allons voir un exemple de ce genre de prière. Et je nous invite à aller dans Actes chapitre 16. Et nous allons lire du verset 16 au verset 30. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 16, du verset 16 à 30. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint en devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous.
elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Les foules se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour cette parole et nous prions que tu ouvres notre esprit pour comprendre ce que tu veux nous faire comprendre, pour que nous expérimentions tes miracles, Seigneur, que notre vie de prière ressemble à la vie de prière de ces deux disciples. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que nous pourrions avoir pour ce message, c'est la prière qui ouvre les portes. Maman ali kambo na biso na tongo na lelo ezali libondeli o efungo la kabikuke. La prière qui ouvre les portes. Libondeli efungo la kabikuke. Vous voyez qu'il est question, le contexte de ce message, c'est que Paul est envoyé pour annoncer l'évangile. Awa na lisolo ba ebisi biso toma polo ya tinda makipona kokende ko palangani sa sango malamo. Il faisait partie d'une église dans Actes au chapitre 13, l'église d'Antioche. Azalaki moto ya église ya Antioche. Dans cette église, il y avait plusieurs ministères. Nakati na église wana ezalaki na balotomo ebele. Il y avait des apôtres, des prophètes et des pasteurs qui exerçaient ensemble. Ezalaki na bantoma, ezalaki na basakoli, pe na basali oyo bazalaki kosala lisanga bango nyonso. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans la prière et le jeûne, le Saint-Esprit demande qu'on les mette à part pour le ministère. Ce que nous pouvons retenir par là, c'est que nous avons parfois des difficultés, alors même que nous sommes dans la volonté de Dieu. Très souvent, les chrétiens pensent que si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne devrions pas connaître des problèmes. Pourquoi se retrouverions-t-on sans papier alors même qu'on est dans le pays que Dieu nous veut exercer pour sa gloire? Ponani ninga tisiko nazali na papier te ata nazali na mboka oyo kino siko ezali te nyoswana ezali kaka po nzambe ye moko azwa lokumu. Le fait que
vous soyez sans papier ne veut pas nécessairement dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ndeko soki ozali na papier te elingi kolakisa te yo ozali na mokano na Nzambe te. Le fait que vous n'ayez pas un emploi ne veut pas nécessairement dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Atakutu soki ozangi mosala ezali te elingi pe kolakisa ete yo ozali na mokano na Nzambe te. Vous pouvez être parfaitement dans la volonté de Dieu, mais affronter l'adversité. Okoki kozala na yo na mokano penza na Nzambe, mais okoki pe kokutana na bitumba. Et ce matin, nous allons voir la bonne attitude à avoir lorsque les portes sont fermées devant vous. Natongo na lelo tolingi tomona penda lolenge tokoki kozala penda na liboso na biso soki bitumba ezali. Donc revenons dans le verset 16 de ce texte. Tuzongi na mokapo oya zomi na motoba. L'apôtre explique qu'ils allaient dans le lieu de prière. Thomas Paul a limboli awa basalaki kokende ne sika ya mabondeli. Et pendant qu'ils y allaient, wana na kokende na bango, une servante qui avait un esprit de piton se dresse devant eux. Ezalaki na mama moko azalaki kotinda mana molimo ya nyoka oyo wapi abimelaki bango liboso. Ce point est très intéressant pour nous. Esika oyo eza na motuya po na biso. Parce qu'il est question ici de l'implantation de la première église d'Europe. Et en lisant le texte, vous allez vous rendre compte que les mêmes esprits qui agissaient à l'époque agissent aussi aujourd'hui. Nakotanga lisolo yango komona molimo o ezalaka kosala na tango wana yango opesa kosala mokolo na lelo. Vous voyez l'esprit de Python? Moni molimo o ya nyoka. C'est-à-dire l'esprit de divination. Molimo o yo penza ya banganga kisi. On peut aussi parler de la voyance. Molimo o ya kotalaka maboko ya bato. C'est le même esprit. Ezaka ka molimo moko. Et vous savez que si un pasteur venait à faire disparaître toutes les sociétés de voyance dans sa ville, et toi ba ete soki le lo pasteur moko a meki kolongola penza makambo nyoso tout olobi o ya mabe na kati na mboka, ce pasteur serait réellement persécuté. Ye pasteur wana ye akobundisa mapenza makasi. Le simple fait de dénoncer la voyance est déjà en soi un problème en Europe. Ndeko kobandaka kakoloba ete makambo yo penza ezali mabe lelo ana mikilu ya poto ezali lelo likambo monene. Et vous voyez aussi que cet esprit faisait gagner beaucoup d'argent au système de l'époque. Molimo oyo ezalaki kosala ete mama oyo azwa misolo mingi penza lolenge moko na ekeke na biso oyo. Et les sociétés de voyance payent beaucoup d'argent au système de leur pays. Lisanga ya bato e futa kambongo mingi penza. Et cela englobe toutes les forces de l'occultisme. Yangonde ezako sala lelo makasi ya bokonzi ya molili. Les chrétiens représentent un vrai danger pour ces systèmes-là. Ba Christo ya lelo penza tozali mbeba penza na likambo yango. Les chrétiens représentent un danger pour la voyance, pour l'occultisme et pour tous les systèmes tels que la franc-maçonnerie, la rose-croix et les systèmes similaires. Ba Christo ya lelonde ko tozalaka mbeba likolo ya makambo nyonso tu ya bakisi ya milimo mabeto ya solo ka ba Christo ya lelo tozali pena mbeba na makambo yango na mokili ya lelo. La plupart des hauts dirigeants de ce monde sont dans ces groupes pernicieux. Lelo penza ba kambinyo sotu ya likolo bato minene na mikili oyo bazalika ka bato ya misala wana. Donc nous ne pouvons plus dans un contexte comme celui-là nous contenter d'une foi tiède. Tukokite penza lokola lisolo elobi na makambo yango biso tozala malili. Il nous faut avoir une foi fervente. Biso esengeli penza tozala moto moto ya kokemba. Une foi ferme. Esala tozala ngui penza totelemi. Une foi combative. Et c'est là que nous aurons la victoire. Et je veux aussi vous dire que les esprits tels que l'esprit de divination sont très rusés parce qu'ils se servent de la parole de Dieu. Sont rusés parce qu'ils se servent de la parole de Dieu. Ezali na mayele mabe po yango ekote la kande na nzela ya liloba na Nzambe. Voyez-vous ce que cette femme est en train de dire? Tozomona awa mwasi oyo azali koloba. Ces hommes sont les hommes de Dieu.
Les hommes du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Je pense que la plupart d'entre nous, nous aurions dit Amen. Imaginez que vous êtes avec le pasteur en train d'évangéliser le quartier. Une femme commence à encourager la population à écouter, disant, ce sont les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Nous serions tentés de dire Amen. Mais Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a le don de discernement des esprits. En écoutant le message de cette femme, le Saint-Esprit dit dans son esprit que c'est un mauvais esprit. Et il va chasser cet esprit-là. Frères et sœurs, nous avons besoin de demander les dons spirituels de nos jours. Nous ne pouvons plus nous contenter de dire Amen, Alléluia à tout ce qui est dit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous dise si c'est de Dieu ou ce n'est pas de lui. Même tous les miracles ne viennent pas forcément de Dieu. Demandons toujours, Seigneur, est-ce bien toi? J'ai vu dans certaines églises qu'on persécute certains chrétiens. En disant, le parler en langue de ce frère ou de cette sœur est bizarre. Vous avez entendu sa façon de parler en langue? C'est bizarre. Non, il n'y a pas une forme de parler en langue qui soit bizarre. On a besoin simplement de savoir si ça vient de Dieu. Même toutes les langues de ce monde ne se ressemblent pas. Celui qui parle arabe et celui qui parle lingala, ça ne se ressemble pas trop. Donc nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur les apparences. En disant, vous avez vu la coiffure de cette sœur-là? Elle n'est pas spirituelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas juger sur les apparences. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider dans ces choix. Le Saint-Esprit convainc Paul que c'est un mauvais esprit. Même si le message de cette dame est vrai, mais au fond, c'est un mauvais esprit. Alors, Paul a menacé cet esprit. Et c'est là que la persécution commence pour lui. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être courageux comme les premiers disciples de Jésus. Vous savez que, d'une manière générale, en Europe, ce n'est pas autorisé de faire du prosélytisme. Faire du prosélytisme est quelque chose qui est interdit dans beaucoup de pays européens. Vous savez que c'est un vrai problème pour nous. Dans Marc chapitre 16, nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 20.
Jésus dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il enchaîne en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous entendez? Les miracles doivent accompagner ceux qui se lèvent pour annoncer l'évangile. Alors les autorités nous disent, n'allez pas annoncer l'évangile, c'est du prosélytisme. Et tant que nous restons assis, les miracles ne vont pas nous accompagner. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui vont s'opérer lorsque vous êtes assis chez vous. Dès l'instant qu'on se lève pour annoncer l'évangile, les miracles commencent à s'opérer. Même le baptême dans le Saint-Esprit n'est possible que lorsqu'on est prêt à se lever pour annoncer l'évangile. Si vous demandez le baptême dans le Saint-Esprit juste pour rester assis à l'église, vous ne l'aurez pas. Je dis cela pour que vous compreniez à quel point c'est subtil et c'est rusé. Si les chrétiens n'évangélisent pas, les miracles ne vont jamais les accompagner. Ça revient donc à aller à l'encontre de ce que les autorités nous demandent. C'est vrai, comme je vous ai témoigné ce matin, il y a des choses que Dieu fait pour nous préserver aussi. Le fait, par exemple, que j'ai l'accréditation à l'ONU fait que je peux librement parler de Jésus. Je peux aussi librement dénoncer le système. Mais nous devons être courageux, frères et sœurs, pour témoigner Christ. C'est là que les miracles vont nous accompagner. Voyez l'accusation au verset 20. On dit que ces hommes troublent notre ville. Si par notre foi la voyance disparaît à Liège, ce qui n'a pas été fait, cependant, makambwa molili to makambwa kindo kito ya kisi et sili na mboka o ya Liège. La persécution va nécessairement commencer pour l'Église. Nde wane sika pena kotu kama ekoya ekubanda na kati na Église. Il trouble notre ville. Bazali kotia mobulu na mboka na biso. Si par la prière toutes les boîtes de nuit de la ville fermées. Les autorités vont dire, ces hommes troublent notre ville. Si par la prière, toutes les entreprises louches venaient à disparaître. Les autorités vont dire, réellement ces hommes, cette église trouble notre ville. Si par la prière et notre action d'évangélisation, la prostitution disparaissait, les autorités vont dire, ces hommes-là, l'église là trouble notre ville. Et si il y avait un réveil, parce que cette église s'appelle l'église du réveil, vous allez vous rendre compte que ce que Charles Finet a connu,
Si ça se produit, vous serez persécuté. Du temps de Charles Finet, c'était un prédicateur du réveil. Il arrivait que les stades ne pouvaient plus tenir les matchs de football. Parce que les hommes et les femmes venaient pour pleurer sur leur sort par rapport à leur péché. Les hommes envahissaient les stades pour se repentir de leurs péchés. Et si vous regardez le livre Les réveils religieux qui donne les différents témoignages, vous allez voir que les boîtes de nuit fermaient les portes et se transformaient en lieu de prière. Les matchs de football ne pouvaient plus être honorés. Les gens cherchaient leur Dieu. Donc, je dis cela pour que vous soyez préparés spirituellement. Parce que cet homme a réellement été persécuté à cause de l'action de l'Esprit Saint. Alors le verset 20, ces hommes troublent notre ville. Et suite à cela, on va les arrêter et les mettre en prison. Au verset 23, nous voyons qu'on va les charger, ils vont être battus, ces hommes. Et on les met en prison. Je me demande si vous et moi subissions le même sort. Quelle serait notre attitude? Est-ce que nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort? Est-ce que nous n'allons pas nous en prendre aux autorités? L'attitude de Paul et de son collaborateur nous inspire certainement. Voyez ce qu'ils vont faire au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez que la nuit, c'est le moment où les mauvaises choses se vivent. La plupart des braquages et des vols à main armée sont commis pendant la nuit. Et beaucoup de mauvaises choses se passent pendant la nuit. Sur le plan spirituel, c'est aussi le moment où le diable agit beaucoup. C'est le moment où les hommes sont plongés dans les ténèbres spirituellement. Alors, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas comprennent qu'ils doivent faire quelque chose. Ils se rendent compte qu'ils sont mains et pieds liés. Ils sont physiquement liés. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, que même si vous êtes liés mains et pieds, l'esprit n'est jamais lié. Vous savez, nous sommes bloqués par différents systèmes. Lorsque vous n'avez pas d'argent, comment parcourir le monde avec l'évangile? Lorsqu'on n'a pas de papiers en règle, comment faire pour prêcher? On est parfois paralysé. Mais Paul et Silas se disent, le corps est lié,
Mais l'esprit est libre. Toma polo yena silas ba sosoliete nzoto maboko na makolo ekangami kasi molimo ekangami te. Vers au milieu de la nuit. Wana na katikati na butu. Ils vont commencer à chanter comme ce matin. Babandi koyemba. Et ils vont commencer à prier. Babandi pe kobondela. Pas n'importe quelle prière. Libondeli a pamba pamba te. Une prière puissante. Libondeli a nguya penza. Et nous allons voir ce que cette prière produit. Pendant qu'ils sont en train de prier, verset 26, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et peine en balamoko ba yoka eten oezala ki penda prison mobimba na yango e bukani. Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation. Tosukana nuna eteni oyo. Vous savez, quand on prie, ndeko soki oza kobondela, les gens qui nous entendent prier, bato ba yoka kabiso tango to kobondela, et qui sont liés par les esprits mauvais, oyo wapi ba kangami na milimo mabe, liés par des faux raisonnements, liés par d'autres choses, et qui nous entendent prier et chanter, il y a quelque chose qui se passe. Les fondements de l'occultisme, lorsque nous prions, tremblent, frères et sœurs. Tango toza ko bondela makambo ya kindokito ya bato a molili na tango wana ndeko yango ninganaka. Les fondements de la voyance tremblent lorsqu'on prie. Makambo ya bato a molili to ya kindokito ya soloka na tango wana ebandaka ko ningana. Les adeptes de la voyance ne peuvent rien voir quand les chrétiens prient. Et te bango bakoki na komona eloko moko te tango mo Christo to ba Christo baza ko bondela. Il y a un brouillard dans leur monde, ils ne voient plus rien du tout. Na tango wana bango ba mona kali susu eloko te. Les fondements de la prison furent ébranlés. Et boloko penda yango ebandi ko ningane bukani. Sur le plan physique, la prison physique est ébranlée. Na lolenge penda bo moto na miso bo emonani boloko ebukani. Les prisons spirituelles sont aussi ébranlées. Pena lolenge ya molimo pe boloko ebukani. Quand on prie, les fondements de la prostitution sont ébranlés. Et tango to bonde la kapenza mo boku oyezalaka ya bondumba ebukana kapendeko. Les fondements de l'incrédulité sont ébranlés. Oyezali fondement mo boku penga ya motema libanga yango pe ebukanaka. Les hommes commencent à voir clair. Batumbala moko moto miswe fungwami. Tous les fondements des prisons qui tiennent l'humanité s'ébranlent. Oyo nyonso tu ezali mo boku esimbaka mokili ndeko yango ebukanaka. La prière renverse toutes les murailles possibles. Mabondeli yango ebukaka befelo nyonso tu etelemelaka mokili. Et c'est pourquoi elle est très combattue. Yango no moni pona nini yango ebo ebundisamaka mingi losambo. Ceux qui prient beaucoup dans une église sont aussi les plus combattus. Batoyo babondelaka mingi pene église bangwana nde babundisamaka mingi. Les fondements des faux raisonnements sont ébranlés. Ete mo boku to penda ezali ba raisonnement na bango yango pe ebukanaka. Les gens commencent à bien comprendre les choses. Batomba na moko miso efungwami. Pendant qu'on prie, les fondements de la prison furent ébranlés. Wana tango bango baza ko bondela boloko yango ebukani. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et vous allez vous rendre compte en lisant le texte. La prison physique est renversée. Les portes s'ouvrent. La prison spirituelle est renversée. Les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Physique ou spirituel, toutes les portes s'ouvrirent. Même le geôlier va se convertir. Et comme je vous ai dit, les mêmes esprits agissent de nos jours. Le geôlier, il se dit, il faut que je me suicide. Et
Et vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de suicides encore de nos jours. Yango peto komona lelo penza soki totali batu ebele lelo basali komi boma. Beaucoup de personnes se suicident en Europe. Ezali na ebele na batu basali komi boma lelo na mikilio ya poto. Mais pendant qu'on prie, wana tango toko bondela, les chaînes tombent. Mignololo eza ko kweya. Les fondements et les prisons sont renversés. Boloko yango nyonso tu ebukani. Si les chrétiens comprennent que nous sommes des justes devant Dieu. Soki ba Christo biso to sosoliete toza sembo liboso na Nzambe. Et que notre prière a une grande efficacité. Libondeli na biso eza na makasi. Nous allons prier sans relâche, frères et sœurs. Toko bondela toko yeba kotika kate. Et vous allez voir la prostitution qui recule. Okombanto banda komona Kondumba yangwe kozonga sima. Les meurtres qui reculent. Koboma bato yangwe kosila. Les escroqueries qui reculent. Kokosa bato tomo yibye kosila. L'occultisme qui recule. Makambo ya molili ekosila. Quand vous lisez les actes des apôtres. Soki totali kaka na misala ya bantoma. Vous voyez Simon le magicien qui se convertit. Tomonaki awa Simon le magicien ya bongola ki motema. Les maîtres de l'occultisme peuvent se convertir. Yete lolenge pe ya bato ya boye bango pe bakoki ko bongola motema. Pendant qu'il priait, les fondements de la prison furent ébranlés. Wana tango bango bazalaki ko bondela boloko ebukanaki. Les fondements de ce qui tient les gens dans le meurtre, dans l'adultère et dans la débauche se renverse. Boloko oye kangaki bato pena na makambo ya mabe nyonso tu yango ebukanaki. Les fondements de la rébellion contre Dieu et contre les parents et contre les autorités religieuses se renversent. Boloko oye kangaki bato na botombo ki na makambo nyonso tu ya mabe yango nyonso tu ebukanaki silaki. La prière c'est notre meilleure arme, frères et sœurs. Libondeli yango nde pena ebundeli na biso ya makasi ya solo. Quand on prie, les portes s'ouvrent. Tango toko bonde la bikuke fungwa maka. Les portes du boulot peuvent s'ouvrir. Eh bikuke ya mosale ko fungwa melayo. Les portes du mariage peuvent s'ouvrir. Bikuke pena ya libala eko fungwa melayo. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne se marient pas dans l'église? Ndeko yebi pona nini bato ebele na ba église babala kate. Ça cause des faux raisonnements. Ezali kaka pona makanisi ya malamu te. Parce que la sœur va dire mais le frère n'a pas de boulot. Apon ndeko mama aza kotala. Ndeko frère azana mosala te. Il n'a même pas de papier. Yazana papier te. Alors, il faut chercher quelqu'un qui est de bonnes conditions. Esengeli ye alukana emoto azali na lolenge ya malamu. La réalité c'est que frères et sœurs, personne ne sait ce que vous serez demain. Nzoka ndeli kambwa solo ezali wana na kati nini? Moto moko te ayebaka lobi akozala nani? Vous êtes sans papier aujourd'hui. Lelo sali na yo sans papier. Mais demain, vous serez peut-être le bourgmestre de la ville. Lobi yo kozala mususu mokonzi ya mboka. La vie d'un enfant de Dieu est imprévisible, frères et sœurs. Bomo ya mwana na Nzambe emonana kana miso te. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tozande na posa ya molimo mosantu. Pour ne pas regarder les gens avec les yeux physiques. Pona kotala kabato na miso ya bomoto to ya nzoto boyete. Une sœur ne devrait pas refuser un frère à cause de sa condition. Et vice versa. Lolenge moko pe papa, yo pe koboya mama te lolenge azali wana. Faut demander à Dieu, est-ce bien toi, Seigneur? Senga kaka pa na Nzambe, eza kaka yonde nkolo. Et si Dieu te dit oui, fonce. Soki nkolo ayebisi yo, ndiyo, kende. Parce que Dieu dit à Pierre, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Nzamba yebisi toma petelo. Oyongai na moni boule. Yoko lobate yangwe zalimbindo. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, frères et sœurs. Tika moli momo santu yangonde me makabiso. Alors, quand l'église prie, soki église ezako bondela, les faux raisonnements sont renversés. Makanisi ya mabe yangonyo sotu ekendaka. On commence à bien comprendre les choses. Motonyon sabandi sikoko soso la makambonyon so malamo. On commence à voir clair. Ubandi komona penza polele. On a besoin de prier. Tuzana posa ya kobondelaka. Et vous savez pourquoi peu de chrétiens accèdent à des postes clés? C'est beaucoup plus aussi des faux raisonnements. Lelo penda ba Kristo mingi penda tozali komona. Pona nini penda makambo eza koleka mingi mingi kati na biso. Ezali kaka pona makanisi ya malamo te. J'ai vu qu'au début, quand je conseillais les jeunes de notre église,
Namonaki na ebandeli tangu na salaki kopesa nano bilenge na kati na église batoli. Et que je demandais à certains s'ils visaient des postes dans les grandes institutions comme l'ONU ou l'UNESCO. Oyo basalaki komona ete bazwa ba poste bisika minene na ba ONU. La plupart me disaient vraiment, pasteur, tu ne comprends pas grand-chose. Mingi basaye koloba mobate limpate yo za ko sosola makambo ebelete. Ce n'est pas possible. Ikoki ko sala mate. Mais pourquoi ce serait possible pour X et ce ne serait pas possible pour Y? Pona nini ekoki ko salaka ka pona bato mosusu kasi pona bato mosusu esala mate. Frère, nous devons simplement croire. Ndeko sengeli biso to tonda kaka na kondima. Et ne pas nous laisser envahir par de faux raisonnements. Tome mama to makanisi ya mabe ekota biso te. Par l'incrédulité. Na motema libanga. Par le doute. Na kobeta ka tembe. Alors quand on prie, les fondements de l'incrédulité sont renversés. Les fondements du doute sont renversés. On commence à y croire. Et puis, Dieu commence à agir, frères et sœurs. Moi, je crois personnellement que de cette église peut sortir les hauts responsables de ces pays. Awa n'église biso bato minene penza ya mboka oyo bakobimawa. Il suffit de croire. Isengeli totonda kaka na kondima. Jésus dit à cette personne dans Marc chapitre 5 verset 36, crois seulement. Yesu ayebisi bato yo penza lobi na bango, bino bondi makaka. Crois seulement. Bondi makaka. Pourquoi les chrétiens vont postuler que dans les petites entreprises, les plus petites entreprises? Boni boni ba Christo lelo bango ba postila kaka na misala oya mike mike. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Yesu alobi mwinda ba pelisaka yango pona ba bomba yango tena se. On aimerait entendre que le premier ministre de la Belgique, c'est un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Tolingito yoka penza premier ministre ya mboka oyo azala mwana oyo tondisami na molimo mosantu. Si nous prions, frères et sœurs, ça va se produire. Soki biso toko bondela ndeko yango ekosalama. Si nous commençons à y croire, ça va se produire. Soki to tondisami pe na kondima ekosalama. Rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te ndeko ekoki na kotelemela Nzambe. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Luc chapitre 1, verset 37, rappelez-vous de ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Et il y a souvent des sœurs, lorsqu'on prie pour celles qui n'ont pas d'enfants, mingi peza la kanaba mama tango to bondela ka soki azana mwana te. Il y en a qui me disent, frère, j'ai eu l'ablation de l'utérus. J'ai eu l'ablation de l'utérus dont je ne peux pas concevoir. Ngai penza esika ya mwana kuna e baby nakoki nakozwa lisusu zemite. Même cela n'est pas impossible à Dieu, frères et sœurs. Ata yango epana yo e baby mais kase pa na Nzambe koki nakotelemela Nzambe te. Même sans utérus, si Dieu le veut, vous allez concevoir. Ata yona libumuna yo biloko e baby menan Nzambe yebete yoko kumba zemi. Et s'il veut, il vous crée encore un autre utérus. Ah soki Nzambe alingi akoki kosala oli susu na libumuna yo abongisi atie biloko asika. Rien n'est impossible à Dieu. Eloko moko te telemela Nzambe. Nous ne pouvons pas fixer la moindre limite à Dieu. Bisoto koki na kotia mundelu e pa na Nzambe te. Même s'il faut créer même un utérus secondaire, il peut le faire, Dieu. Ya koki ko bongisa libumuna ata mbala ya mibale. Rien ne lui est impossible. Eloko moko te telemela kaye. Même si vous avez l'amputation d'un membre, Dieu peut vous en donner un autre. Ata kutu yo bakati yo lokolo ata loboko Nzambe akoki ko bimisa tie yo mosusu. Que les fondements de l'incrédulité soient renversés. Banga oyo lelo ebukana. Je trouve que les chrétiens croient un peu intellectuellement, mais dans la réalité, c'est aussi un peuple qui a beaucoup de doutes et d'incrédulité dans le cœur. Le loto komona ba Christo mingi ba koma kondima kolandisa mayele na bangondenga tanga ya mwana oza komona penda motema libanga lelo eza komona na. Mais sinon, pourquoi est-ce que les chrétiens vont demander faire l'asile politique? Pona nini ba Christo balingaka kosenga ngunda? Parce que l'asile politique
conduit les chrétiens vers le mensonge. Poko kende kosenga ngunda et même akaba Christo na nzela ya lokuta. L'avocat va vous dire, vous venez de quel pays? Avocat kotu na outi wapi? Du Cameroun. Cameroun. Ah mais ce n'est pas le Cameroun. Dites que vous venez de du Nord Kivu, de peut-être tel pays, telle zone qui a des conflits. Yo loba outi esika mosusu esika wapi mobulu ezali. Et on commence à monter le dossier du mensonge. Et ça met le chrétien dans des problèmes. Le diable est le père du mensonge, d'après l'évangile de Jean au chapitre 8. Et Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ a dit, « Yé azalin zela, pebo moi, pebo solo. » Comment prier pour un enfant de Dieu connecté sur le diable avec le mensonge? Boni boni mwana na nzambe, ye asangani na monguna pona lokuta. Et qui veut régulariser la situation avec Dieu? Alinga bongisa likambo na ye na nzambe. C'est compliqué parce que dans l'asile, parfois, on change même de nom. Ndeko na kosenga ngunda mingi babongo la kaba kombo na bango. Alors on va demander à Dieu, Seigneur, vraiment, permet que Pierre soit régularisé. Kolo, yo pesan zela etepena makambo nanga oyo esimba. Et Dieu va nous dire, Pierre, ben, j'ai pensé qu'il s'appelle Jean. Nzambe akotuna yo. Oui, et ça crée un problème. Et si kamo boule kokota ya yebelio na kombo oyo yo komi na kombo. Et on demande à Dieu de valider un nom qu'il ne connaît même pas. Ozoe bisan zambe andi makombo ya yebite. Il dit, je vous connais par votre nom, mais ce nom, je ne le connais pas. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à ce que l'incrédulité quitte notre cœur. Et quand on arrive dans un pays de demander à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Kolo na sala nini? Et le Saint-Esprit peut nous conduire. Moi, je pourrais donner des conseils, comme je connais la Commission européenne et d'autres institutions. Je peux donner des conseils plus honnêtes aux chrétiens. Mais comme c'est filmé, je ne peux pas le faire. Mais je pourrais conseiller vraiment les chrétiens à savoir qu'en Europe, on n'est pas obligé de passer par des voies tortueux, mais de rester dans la vérité. Ngana koki kopesa toli e pa na bato mingi penza soki oyé okoki na yoka kate esengelo le kanabanzela ya mabe 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 me banzela mosusu penza ali. Nous sommes les disciples de Jésus. Tozaba ye koli ya Yesu Christo. Et nous devons rester dans la vérité. Esengeli totika la na bosolo. Et de demander l'asile politique si vraiment on est réfugié politique. Kosenga asile oya politique ya solo penda soki yozali politicien. Et ça, ce n'est qu'un exemple que je peux prendre. Oye zakaka ndakisanga na zui. Ça montre que nous avons beaucoup de doutes dans les cœurs. Yangonde zako lakisa ete biso penda tozali na tembe mingi kati na mitema na biso. C'est valable aussi pour des problèmes de santé. Ezali pe lolenge moko pona kolongono na nzoto na biso. Souvent on entend dire que vraiment, moi j'ai un cancer en phase terminale. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est déjà cette phase? Non, la médecine peut décréter que c'est la phase terminale pour vous. Mais nous devons dire aux médecins, pour vous c'est impossible. Mais pour Dieu, ça reste encore possible. Non, le cancer n'est pas une maladie incurable pour Dieu. Cancer yango ezali nango bokonote o esila kate po na nzambe. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu abongani te asalaka azali pe akotika la libela na libela. Il peut te dire, ne crains pas. Akoki ko yebisa yo ko banga te. Crois seulement. Yondi makaka. Et dans le livre de Marc au chapitre 5, si vous voyez très bien, dans les versets 35,
Jésus ne tient pas compte de certaines paroles. Vous voyez? Parce qu'il voulait guérir une personne. Et on dit, non, ne t'occupe plus de ça. La situation s'est tellement dégradée. Et Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il ignore ses paroles. Et il dit à la personne, crois seulement. Ne crains pas. Yesu makamo nyoso atala ki yango te amona ki yango pamba me yoka liloba yebisaki moto yondi makaka. Il faut savoir refouler certaines paroles. Makamo musu esengeli ko bengana kolongola ka yango ataba lobina yo. Des paroles qui créent l'incrédulité. Maloba oye komisaka motema ya moto libanga. Il y a des paroles que de certaines personnes, vraiment, tu sais, avec ton état de santé, tu ne peux même pas gêner jusqu'à midi. Tu vas mourir. Mais si Dieu vous demande de vous mettre à part, et il est quand même tout puissant pour vous préserver. Mais certains vont vous dire, c'est très grave. Vous pouvez pas gêner. Et j'ai béni le Seigneur il n'y a pas longtemps pour une sœur qui est médecin et qui a décidé de prendre un mois pour gêner et prier. Maman moko ya munganga penza na pamboli nzambe po yazwa ki penza tango ya kokila sansa mobimba. Et elle avait un problème gynécologique qui était quand même préoccupant. Et elle qui est médecin spécialiste savait que c'était vraiment sérieux. Mais dès la première semaine de son temps de jeûne, son problème a été résolu. Elle n'a même pas demandé le conseil d'un pasteur. Atuna kikutu tolité pa ina pasteur songolo ou l'imposition des mains. Toba tiaye maboko. Elle a eu la conviction qu'elle peut prendre ce temps de prière. Akoki ko soit tango ya mabondeli akokila. Et Dieu s'est glorifié. Penzamba zwaki lokumu. Frères et sœurs, nous avons besoin simplement de laisser Dieu nous conduire. Ndeko ngana yo esengeli to tika kaka nzambe ye moko a mema tambu sabiso. Et revenons sur ce texte au verset 27. Le geôlier qui se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Voyez. Mapinga oyo tango alamuki soda oyo amoni bikuke akofungwama yazwi mbeli na epo ya miboma. Nous avons besoin de prier que les fondements de tous ces meurtres, de tous ces suicides-là, soient renversés, frères et sœurs. En Europe, le même esprit qui pousse les gens au suicide est toujours présent. Dès qu'on a le moins de problèmes, on a l'idée de se suicider. Et vous allez voir que c'est un problème spirituel. Paul, qui prend la parole au verset 28, Thomas Paul à l'obiboy, il lui dit, ne te fais point de mal, nous sommes là. Yo komisa la mabete, biso tozali wana. Voyez à quel point c'est étonnant au verset 29, ce que le geôlier demande. Lorsqu'il demande la lumière, il entre et se jette tremblant aux pieds de Paul et de Silas et il va faire une prière. Il va leur faire une demande au verset 30. Mapinga oya sengi libondeli. Il demande, que faut-il faire pour être sauvé? Ninengwe sengeli pona kosala pona bikisama. Comment sait-il qu'il est perdu? Lolengeni ni ya yebaki eta bungi. Il veut se suicider. Alingami boma. Et puis, la minute d'après, il veut le salut. Penangonga moko poasa na poasa ya luki lobiko. La prière de Paul et Silas était efficace pour lui. Libondeli a toma Paul na Silas ezalaki na makasi pona ye. Parce qu'ils étaient en train de prier. Po bango bazalaki ko bondela. Les chaînes des prisonniers se rompaient. Ete minyololo nyoso ya batu na boloko ekatanaki. Leurs propres chaînes étaient rompues. Et le geôlier, les chaînes qui voulaient
le conduit en enfer sont aussi rompus. Pema pinga oyo penda minyololo o elinga ke memaye na moto na lifelo yangwane katanaki. Il voulait se suicider. Yalinga kami boma. Et là il demande le salut. Pena mbala moka sengi lobiko. Voilà ce que la prière efficace peut faire. Yala lolenge li bonde li amakashi esalaki. Même dans l'église, on a des gens qui pensent au suicide. Ata lolenge moko na église boye ezana bato musu ba mika bakanisa kaete ba miboma. En grande partie, ce sont des mauvais esprits qui agissent dans les cœurs. Nzokande toyeba ete likambo penza eza milimo mabende esalaka na mitema ya bato. Parfois, il y a les gens qui ont la dépression. Parambala musu ezana na bato musu moto endingani. Parce que le diable va te faire comprendre que ta situation est tellement malheureuse. En te faisant remarquer que même ta famille a toujours été malheureuse. Aucune femme de ta famille ne trouve le mariage. Ta soeur n'a pas pu trouver un conjoint. Et l'autre cousine ne l'a pas trouvé non plus. Alors à ce moment, on est désespéré. On se dit qu'on est vraiment la plus malheureuse. Et c'est là que le diable va te dire, mais et si tu te suicidais, tout ça, ça arrive. C'est un mensonge, frères et sœurs. Il ne faut jamais céder à ses pensées. Et c'est pour cela que l'Église doit prier. Que toutes les chaînes et toutes les prisons qui tiennent les chrétiens soient renversées. Toutes les prisons spirituelles qui tiennent les habitants de Liège, que ce soit renversé. Boloko nyonso tu ezo kanga bato ya mboka o Liège yango ebebisama. C'est comme ça qu'est née la première église d'Europe, par la prière. Nde église ya liboso yango elongaki makambo na mabondeli. Ils ont prié, la voyance ne pouvait plus tenir. Babondela ki makasi makambo ya bakisi ekokaki lisusu kosimbate. Même les puissances d'incrédulité ne pouvaient plus rien faire. Ata ya motema libanga ekokaki kosala lisusu eloko te na mboka. Paul et Silas vont dire à cet homme, crois au Seigneur Jésus. Thomas Paul ona Silas ba yebisi moto oyo ndimela Yesu Christo. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Yoko bikisama yona libota na yo mobimba. Jésus nous propose le salut aujourd'hui. Yesu yazo lakisa biso lobiko. Le mot salut, c'est un mot complet dans la parole. Il englobe tous les actes rédempteurs de Dieu. Il sous-entend d'être libéré du péché. Libéré de la maladie. Libéré de la pauvreté. Dieu est toujours sur son trône, frères et sœurs. Et il fait des miracles encore de nos jours. Donc pour résumer, frères et sœurs, il y a Paul qui est chargé d'établir la première église d'Europe. Pendant qu'il est sur le chemin et qu'il est en train d'annoncer l'évangile, il est confronté aux puissances de la voyance. Il est confronté à l'occultisme. Confronté donc à cet esprit de Python. Et il va réussir à le vaincre, cet esprit. Paye à longa ki molimo yango. Et il se retrouve en prison. Pe babwa ki na boloko. Physiquement en prison. Nanzoto boye babwa ki na boloko. Comme la plupart d'entre nous qui nous retrouvons dans des prisons. O wapi mingi mingi katikati na biso peto kuta na katoza na boloko. Soit ceux qui sont placés au centre pour réfugiés. Mbala mususu ba o batiaka bango na ba centre ya ba réfugiés. Soit ceux qui sont simplement limités parce qu'ils n'ont pas les moyens de bouger. Po ba misusu oyo basuki bazana lolenge ya kokende liboso te.
y a aussi toutes les prisons spirituelles qui nous enferment. Mais c'est dans ce contexte qu'ils vont prier. Et que les portes vont vraiment s'ouvrir pour eux. Ils vont établir l'église de Philippe. Ils vont établir d'autres églises. Donc, à notre niveau, nous devons comprendre que nous sommes justifiés par Dieu. Nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous avons le mandat de lier sur la terre ou de délier des choses. Ce serait souhaitable que l'Église ici à Liège croit qu'elle peut prier de manière à ce que les puissances maléfiques cessent d'agir à Liège. Que même les enfants de chrétiens qui s'égarent cessent de s'égarer. Que même les pasteurs cessent de s'égarer. Que les puissances de la division soient renversées. Et cela est possible. Alors on aura une église unie. Et le royaume de Dieu qui pourra réellement s'établir dans cette ville. Comme l'a dit le frère qui modérait tout à l'heure. Voilà, donc que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de prière. Et si nous le faisons, nous allons voir l'œuvre de Dieu avancer dans cette ville et dans ce pays. Ne vous fixez plus de limites. Juste trois versets que je vous cite qu'il faut vraiment retenir et méditer sur ces versets-là. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il est dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Chaque fois que vous serez face à une muraille d'impossibilité, dites-vous, c'est impossible aux hommes, non à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Marc au chapitre 10, le verset 27, il est dit, tout est possible à Dieu. Dieu dit la même chose un peu d'une autre manière. Tout est possible à Dieu. Et dans Marc au chapitre 9, le verset 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Quand vous placez votre confiance en Dieu, les choses qui lui sont possibles vous deviennent possibles. Et ça, c'est merveilleux. Donc pour chaque frère et chaque sœur d'ici à l'église, dites-vous, je suis un ambassadeur ou une ambassadrice pour Christ. C'est Dieu qui décide de mon histoire, de mon avenir. Et n'écoutez plus le mensonge du diable, frères et sœurs. Tout est possible à celui qui croit. Et ce que Dieu va faire de vous demain n'a rien à voir avec ce que vous êtes aujourd'hui.
Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.